Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et je vous fais cette vidéo pour vous prévenir que tous les glitches d'XP sur Fortnite en mode créatif fonctionnent toujours. Bien entendu, il y a des joueurs qui vont gagner énormément d'XP, d'autres qui ne vont pas gagner beaucoup d'XP. Ça dépend si vous allez tryhard et ça dépend si vous avez de la chance parce que c'est complètement random. Il y a des personnes qui gagnent énormément d'XP et d'autres pas beaucoup. Donc regardez, je suis en mode créa, j'ai le skin du nouveau pass de combat du chapitre 3 de la saison 1. Et regardez, je vais acheter un appartement. Et là, j'ai gagné 69 XP. Donc là, j'en ai gagné beaucoup moins que quand j'en achetais. Avant, quand j'achetais un appartement, je gagnais 4000, 6000, 8000. Mais le problème, c'est que j'ai blindé, glitché dans le chapitre 2. Donc maintenant, je gagne beaucoup moins d'XP. Enfin bref, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un tuto complet à propos du glitch que je suis en train de faire. Et dans la description et en commentaire épinglé, dès que j'aurai le temps, je vous mettrai tous les glitchs que j'ai présentés précédemment sur ma chaîne YouTube. Donc bien évidemment, si vous voulez à en trouver des glitchs, ben vous allez sur ma chaîne YouTube et vous verrez qu'il y a énormément de glitchs que j'ai présentés sur le chapitre 2. Ils fonctionnent tous apparemment. Par contre, c'est possible que vous ne gagnez pas d'XP. C'est tout simplement parce que ils ont peut-être nerf un peu l'XP en mode créa. Et si vous avez blindé glitché comme moi sur Fortnite pendant le chapitre 2, vous risquez de ne pas gagner beaucoup d'XP comme moi j'ai le cas actuellement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo tuto de ce glitch. Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite qui va vous permettre de faire des XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors, pour réaliser ce glitch, il faudra aller en mode créatif et ensuite aller près de cette console pour entrer le code que je vais vous dire. Alors, le code, c'est 209070708567461. Ensuite, vous rentrez le code, vous acceptez et vous attendez que la map charge. Alors, si jamais, je mettrai le code en description et en commentaire épinglé si jamais ça vous intéresse. Donc, voilà. Alors, quand l'île est chargée, vous rentrez dedans. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est tout simplement mettre un ping ici. Voilà. Ensuite, vous appuyez sur Option et vous faites retourner à l'accueil. Quand vous êtes de nouveau de retour à l'accueil, vous allez vers votre île personnelle et là, vous allez choisir une nouvelle île, donc en créant une île. Et vous allez choisir une île à gris XL. Donc là, vous faites confirmer et vous attendez que l'île charge, tout simplement. Quand l'île est chargée, vous rentrez dedans. Et là, quand vous allez spawn, vous allez appuyer deux fois sur X pour pouvoir voler. Ensuite, vous allez rejoindre le bord de l'île le plus proche du ping. Donc voilà, comme je suis en train de le faire. Donc quand vous êtes au bord de l'île, vous vous arrêtez. Là, vous allez faire flèche du haut. Vous allez aller dans appareil. Vous allez sélectionner la plaque d'apparition de joueur. Vous appuyez deux fois sur X pour le mettre dans votre raccourci. Ensuite, vous allez en bas et vous allez sélectionner le fournisseur d'objets. Vous allez appuyer sur X et puis sur carré. Ensuite, vous allez sélectionner la plaque. Vous allez sélectionner l'appareil de barrière. Donc, vous appuyez sur X et puis vous appuyez sur rond. Ensuite, vous allez à droite, vous sélectionnez le volume de dégâts. Vous appuyez sur X puis sur triangle. Et ensuite, vous sélectionnez la zone d'altération. Vous appuyez sur X et puis flèche de gauche pour les mettre dans vos raccourcis. Alors maintenant, vous allez maintenir L2 et appuyer sur flèche de gauche pour prendre l'altération. Et là, ce que vous allez faire, c'est faire flèche de droite pour changer l'axe de rotation. Et ensuite, vous appuyez sur L1, pour le mettre dans le sens que je viens de le mettre. Ensuite, vous allez maintenir rond pour le redimensionner. Ensuite, vous allez appuyer sur R1 pour l'agrandir. Et vous laissez votre doigt appuyer sur R1 pour qu'il soit agrandi au maximum. Alors ensuite, vous allez appuyer sur R2. Et vous allez faire rond, comme ça vous placez l'objet et ensuite vous annulez la sélection.
Alors maintenant, vous maintenez L2 et vous appuyez sur carré pour mettre le fournisseur d'objets juste ici. Donc vous le mettez là. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est faire flèche de haut, aller dans objet, objet à usage unique. Et là, vous allez appuyer sur carré 15 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ensuite, vous allez dans coffre. Et là, dans le coffre, vous allez spam X pendant quelques fois. Donc vous le faites, je sais pas moi, 20 à 30 fois. Donc là, je spam X, 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 voilà, un maximum. Ensuite, quand ceci est fait, vous allez dans armes. Et vous allez choisir l'arme à plasma, donc le canon à plasma, et vous sélectionnez X pour le mettre dans votre inventaire. Ensuite, vous le prenez, donc R1, voilà, et ensuite vous tirez sur votre coffre. Comme ça, ça va détruire votre coffre et il y aura plein de pièces qui spawnent. Donc là, vous ramassez toutes les pièces. Donc ça me fait un total de 435 000 pièces. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous vous placez au-dessus de l'objet fournisseur d'objets et vous faites flèche de haut. Vous allez dans jouer et vous déposez vos pièces sur le fournisseur d'objets. Comme ça, le fournisseur d'objets avale les pièces. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est aller près de la plateforme ici et vous allez appuyer sur carré. Alors, est-ce qu'on peut réinitialiser les paramètres? Je ne sais pas si on peut réinitialiser les paramètres. Attendez, on va faire L. Voilà. En fait, quand vous allez faire L, vous allez pouvoir tout réinitialiser. Alors, si je vous conseille de tout réinitialiser, c'est parce qu'il y a des personnes qui me disent « Oui, mais ça ne marche pas, je n'arrive pas à faire apparaître les pièces. » Donc, ce que vous faites, c'est que vous réinitialisez tous vos paramètres, comme je le fais, voilà. Quand tous les paramètres sont réinitialisés, vous allez dans toutes les options. Pourquoi ils m'ont... Attendez. Bon, là, je réinitialise. OK. Voilà. Ensuite, je vais dans toutes les options. Et là, vous allez noter les mêmes paramètres que moi, je vais vous dire. Alors, permettre à l'usage des armes, vous mettez oui. Ensuite, largeur, vous mettez 100. Ensuite, profondeur, vous mettez 100. Ensuite, hauteur, vous mettez 100. Ici, vous descendez tout en bas et quand il est marqué tout en bas, il y a le... Ah non, c'est juste ici. Voilà. Il est marqué multiplicateur de déplacement 1, vous le mettez sur 2. Ensuite, vous descendez tout en bas. Et là, quand il est marqué « Quand le joueur commence à faire une émote », vous le mettez sur le canal 1. Ensuite, vous appuyez sur carré pour valider les paramètres. Très important, appuyez sur carré pour les valider. Ensuite, vous rappuyez sur carré pour accéder aux paramètres et vous allez faire R1 et vous allez regarder si vous avez bien les mêmes paramètres que sur le gameplay. Donc, quand c'est bon, vous appuyez sur OK. Désolé, j'ai un chat dans la gorge. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez près de le fournisseur d'objets et vous appuyez sur carré. Ensuite, vous allez appuyer sur L3 et vous allez réinitialiser. Ah, ça va vider les objets. Donc, réinitialiser tout d'abord et puis c'est ce qu'on va faire. On va réinitialiser tout. Voilà, OK. Mais il y a toujours les pièces. Oh, oui. Parfait, parfait, ça n'a pas enlevé les objets. Donc, parfait. Vous réinitialisez. Ensuite, vous allez dans toutes les options et vous allez mettre les options que je vais vous dire. Alors, action à l'obtention, vous mettez tout garder. Ensuite, remise, vous mettez tous les objets. Ensuite, dans comportement du cycle, vous mettez redémarrage. Ensuite, vous descendez, je pense que c'est celui-ci. Voilà, remettre l'objet si reçu, canal 1, vous mettez. Ensuite, vous descendez. Et là, tout en bas, quand l'objet est remis, vous mettez canal 1. Ensuite, vous acceptez. En appuyant sur carré, vous réappuyez sur carré pour voir si les paramètres sont bons. Vous allez dans options modifiées et là, vous vérifiez que vos paramètres sont bien comme les miens juste ici. Donc, si c'est bon, vous appuyez sur carré. Alors, ensuite, vous allez appuyer deux fois sur X et vous allez vous rendre au centre de la map. Donc, le centre de la map est représenté par un carré blanc. Donc, vous rejoignez ce carré blanc. Hop. Ensuite, vous appuyez sur triangle. Enfin, vous maintenez triangle pour prendre votre téléphone. Vous maintenez L2 et vous choisissez X pour prendre la plaque d'apparition de joueur. Ensuite, vous prenez la plaque et vous la mettez en plein milieu du carré, comme je le fais dans le gameplay. Ensuite, vous appuyez sur R2 pour accepter. Ensuite, vous prenez vos constructions et vous appuyez sur L1 pour mettre un toit au-dessus de la plaque d'apparition de joueur. Quand ceci est fait, vous allez appuyer déjà sur Option, non, sur flèche du haut. Vous allez aller dans Mon île, dans Jeu. Et ensuite, là, vous allez réinitialiser vos paramètres par défaut. Donc, vous faites triangle. Vous appuyez sur triangle pour initialiser vos paramètres par défaut. Comme ça, si jamais vous n'avez pas les mêmes paramètres et que vous me dites que ça ne fonctionne pas, ben, si vous réinitialisez les paramètres, logiquement, et que vous faites les mêmes paramètres que moi, logiquement, les pièces apparaîtront quand vous danserez. Ne vous tracassez pas.
Donc vous appuyez sur triangle dans jeu et vous appuyez sur triangle dans paramètres et vous appuyez sur triangle dans tout en fait. Appuyez de triangle partout pour tout réinitialiser. Ensuite, dans jeu, vous allez descendre et vous allez mettre limite de temps aucune. Voilà, vous mettez limite de temps aucune. Ensuite, dans paramètres, vous faites L2 pour aller dans paramètres. Et là, dans paramètres, vous descendez jusqu'à temps de voir vitesse de vol x1. Donc qui est juste ici, vitesse de vol x1, vous le mettez à x5. Ensuite, vol du joueur, vous mettez oui. Et là, c'est bon. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est devant votre toit, vous allez appuyer deux fois sur X et vous allez monter jusqu'à temps que vous dépassez le plafond qui est un mur orange. Donc il y a un plafond orange, là, je viens de le dépasser. Ensuite, vous attendez de retomber. Hop, et là, vous appuyez deux fois sur X et vous tapez des petits coups de X pour monter vers le plafond. Regardez, là, le plafond est juste là. On appuie encore une fois. Voilà, parfait. Maintenant que vous êtes au-dessus, ce que vous allez faire, c'est maintenir le triangle. Ensuite, vous allez sélectionner le rectangle en appuyant sur rond. Voilà. Rond. Voilà. Ensuite, quand vous avez votre rectangle, il faut le placer. Merde, désolé. Hop. Je remaintiens triangle, je choisis rond. Il faut le placer pas sur le plafond. Il faut le placer un cran en dessous du plafond. Donc là, voilà, juste ici, regardez, hop. Il faut vraiment que, regardez, là je suis pas, il colle pas le plafond. Et quand je sors un mur, par exemple, je vais sortir un mur, hop. On voit bien qu'il y a un mur d'écart, un carré d'écart. Il faut vraiment que ce soit un carré d'écart. Donc ensuite, vous allez appuyer sur carré pour personnaliser l'appareil de barrière. Donc, vous appuyez sur carré. Pareil ici, vous réinitialisez les paramètres en appuyant sur L3, tout réinitialiser. OK. Ensuite, vous allez dans toutes les options. Et là, vous allez mettre les paramètres que je vais vous dire. Alors, activer. Attendez, c'est plus bas, je crois. Activer pendant la phase. Là, vous allez mettre toutes. Voilà. Ensuite, vous descendez dans largeur. Et dans largeur, vous allez mettre 60. Ensuite, dans profondeur, vous allez mettre 60. Ensuite, dans hauteur de barrière, vous allez mettre 3. Vous allez mettre 2. Et ensuite, vous acceptez en appuyant sur carré. Ensuite, vous rappuyez sur carré pour personnaliser la barrière. Vous allez dans options modifiées et vous vérifiez qu'il y a bien toutes les options que je viens de vous citer dans le gameplay. Donc voilà, si vous avez tout, vous appuyez sur carré, c'est parfait. Alors là, vous allez descendre en appuyant sur R3 pour vous retrouver en dessous. Vous appuyez un tout petit peu sur X, voilà, pour être vraiment en dessous. Ensuite, vous allez maintenir votre bouton triangle pour sortir le téléphone. Vous allez maintenir L2 et vous allez choisir le petit rond rouge en appuyant sur triangle. Voilà, donc là, il faut placer ce triangle, enfin ce rond rouge, juste en dessous. Donc voilà, vous le placez juste ici et vous appuyez sur R2 pour le placer. Ensuite, vous allez appuyer sur carré pour personnaliser le volume de dégâts. Ensuite, vous allez appuyer sur L3 pour réinitialiser. Voilà. Les paramètres. Maintenant, vous allez dans toutes les options. Et là, vous allez mettre les options que je vais vous dire. Donc, largeur, vous mettez à 60. Profondeur, vous mettez à 60. Et hauteur, vous mettez sur 3. Ensuite, vous descendez et dans type de dégâts, vous allez mettre élimination directe. Ensuite, vous appuyez sur carré pour valider les paramètres. Vous réappuyez sur carré pour voir si vous avez bien les mêmes paramètres que moi dans le gameplay. Donc, les quatre paramètres que j'ai changés. Si c'est bon, vous appuyez sur carré. Et là, vous avez fini la préparation. Alors ensuite, quand vous avez fini la préparation, je vais juste vous montrer un truc. Si je monte comme ça, hop, normalement, je vais pouvoir me stopper. Voilà. Si vous retrouvez au-dessus de la map et que vous êtes comme moi, au-dessus du plafond, ce que vous faites pour descendre, c'est tout simplement aller à la ligne rouge là-bas. Et en fait, vous allez pouvoir redescendre dans l'île. Parce que ici, regardez, j'ai pas mon téléphone, je ne peux que faire sauter. Donc vous passez ici et hop, vous descendez le mur en fait. Vous descendez le plafond. Donc ça, c'est un petit truc que je vous dis en plus au cas où. Donc là ensuite, ben, vous vous laissez tomber. Et ce que vous allez faire maintenant, laissez-moi réfléchir parce que un petit trou de mémoire. Quand c'est bon, ben je pense que c'est bon. Ouais, quand c'est bon, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur Options, vous appuyez sur Lancer le jeu. Il faut savoir aussi que les paramètres que vous venez de faire, enfin toutes les préparations que vous avez faites, elles resteront toujours sur l'île. Donc si vous avez fait les préparations, vous n'avez plus besoin de les refaire. Alors ensuite, ce que vous faites, c'est que vous appuyez deux fois sur X et maintenant vous maintenez X pour toucher le plafond.
ce qui va faire en sorte que ça va vous tuer. Donc ça vous tue, c'est totalement normal. Là, vous attendez la réapparition. Donc normalement, ça s'affiche deux fois, voilà. La deuxième fois, ça s'affiche. Et là, normalement, si vous avez bien fait les choses, vous allez arriver dans l'île créatif. Voilà, l'île de départ. Donc quand vous êtes dans l'île de départ, ce que vous faites, c'est que vous appuyez deux fois sur X. Et là, vous voyez, vous pouvez voler dans l'île créatif. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous essayez d'aller vers le ping. Mais vous allez voir qu'il y a un mur invisible orange. Donc pour passer ce mur, il suffit juste de monter jusqu'au-dessus. Et là, regardez, à un moment, vous allez pouvoir avancer. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez rejoindre le ping que vous avez placé à 1700 mètres. Alors quand vous arrivez près de l'île, l'île va apparaître, bien évidemment. Et il y aura peut-être un mur orange. Regardez, voilà, le mur orange, si vous ne savez pas le passer, ben, vous montez jusqu'au-dessus, jusqu'au plafond. Et vous passez par le dessus si vous ne savez pas passer par le mur. Mais bon, moi non, moi je sais passer, donc normalement vous aussi. Alors quand vous êtes devant le bâtiment City Hall, vous appuyez deux fois sur X. Et là, vous allez tout simplement taper une danse. Voilà, comme ceci, vous tapez une danse. Et là, ça va faire tomber des pièces en illimité. Donc vous en faites tomber plein, plein, plein. Voilà, comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous allez appuyer sur Option. Vous allez mettre arrêter le jeu. Et là, vous n'allez pas appuyer sur triangle pour retourner sur l'île, mais vous allez faire rond. Vous faites rond. Et ensuite, vous allez appuyer sur option et vous allez dans retourner à l'accueil. Donc là, vous allez devoir attendre quelques secondes. Ça va vous renvoyer directement à l'accueil dans genre plus ou moins 10 secondes. Voilà, comme ceci. Ensuite, quand vous êtes dans l'accueil, vous avez juste à retourner. Vous avez juste à retourner sur l'île, voilà, comme ceci. Désolé. Ensuite, vous appuyez sur Option et vous faites lancer le jeu. Alors, quand le jeu va se lancer, vous allez juste tout simplement récupérer vos pièces que vous avez mis devant la maison. Devant la maison City Hall. Donc voilà, là, vous récupérez vos pièces. Vous en récupérez 2, voire 3. Voilà. Comme ça, je suis à 1 million de pièces. Maintenant, vous avez énormément de possibilités pour gagner des XP très facilement. Donc déjà, regardez. Ici, vous avez une propriété que vous allez pouvoir acheter pour 600 pièces. Donc, vous l'achetez. Et là, vous avez vu, ça m'a donné 13 613 XP. Voilà, c'est super cheaté. Ensuite, là, il y a une autre propriété. Vous l'achetez. Boum, ça me donne 13 000. Regardez, ici, il y a des voitures. Vous achetez la voiture, ça me donne 4000. Donc, voilà. Ensuite, je peux acheter encore d'autres propriétés. Là, il y en a une. Hop, j'achète la propriété. Boum, ça me donne 8000. Il y a d'autres propriétés qui se trouvent... Attendez, je cherche. Il y a d'autres propriétés qui se trouvent dans ce bâtiment-là. Non, c'est pas ce bâtiment-là. Attendez, je crois que c'est... Ouais, c'est possible en fait. Ouais, si, si, si. Il y en a dans ce bâtiment-là, il y en a en haut. À l'étage, il y a genre 3-4 bâtiments, enfin appartements que vous allez pouvoir acheter. Il y a un autre bâtiment aussi que vous allez pouvoir acheter des appartements. Donc, je suis en train de le chercher. Ah voilà, c'est le bâtiment là-bas. Il y a aussi 4 ou 5 bâtiments que vous allez, appartements que vous allez pouvoir acheter pour gagner des XP. Alors ça, c'est la première solution pour gagner des XP. Là, maintenant, je vais vous montrer... la solution ultime, hein, moi, que je vous conseille, c'est d'aller acheter des boules disco qui se trouvent, si je me rappelle bien, les boules disco, elles se trouvent ici. Donc là, il y a l'église, enfin l'horloge, et là vous allez monter tout simplement là-haut, hop, ici, et je pense qu'il y a des boules disco ici. Ah non, ça c'est les cubes. Mais les cubes atomiques, c'est pareil, regardez. Vous achetez des cubes atomiques et ça vous fait 2000 XP à chaque fois. Donc ça, c'est super cheaté. Alors, il y en a un autre avec des boules disco. Je crois que c'est plutôt par ici, alors. Je crois que c'est ici, hein. Mais je ne suis pas sûr, je vais regarder. Je pense que c'est à l'étage. Non, c'est pas à l'étage. Ben alors, c'est peut-être à l'hôpital. Non, c'est peut-être pas à l'hôpital. Mais de toute façon, regardez, même à l'hôpital, partout en fait où il y a des distributeurs, ça vous donne des XP. Regardez, ici ça va me donner 500 XP, là ça me donne 500 XP, là ça me donne 88 XP. Donc en fait, le but, c'est de chercher le plus rentable.
Donc moi je pense que c'est les boules disco, mais je les cherche, je ne les trouve pas. Que c'est peut-être ici, non. Mais là regardez, ça me donne 452 d'XP, 476, 476, ici ça me donne 476 aussi, 476 aussi et 476 aussi. Vous voyez, il y a énormément de choses à récupérer. Il est où mon... Ah, il est là. Mon grappin. Je vais en acheter un deuxième parce que j'en ai presque plus. Voilà. Voilà. Donc il y a blindé de trucs que vous allez pouvoir acheter. Par contre, j'aimerais bien retrouver mes boules disco. Voyez. Voyons. C'est peut-être dans le football stadium. Peut-être. On va aller voir. Donc ici, il y a un distributeur, mais ça donne rien. Ici, ben en fait, non, il n'y a rien du tout. Ok. Donc là, les appartements que je vous disais, ils sont ici. Regardez. Vous avez un appartement là. Voilà, que vous pouvez acheter. Ça me donne 10 000. Il y en a encore des appartements en haut. Il y a un appartement là. Voilà, ça me donne 9 000. Où est-ce que j'ai vu ces boules disco? À mon avis, ça doit être par ici. Ah voilà, elles sont là. Regardez ici. Donc, il y a des boules disco. Et là, ça vous donne 5000. 5000, c'est pas mal. Hein. L'autre, il donnait combien les cubes? Je sais plus. Je vais regarder vite fait. Les cubes. Les nanonites là. Enfin, les nanites là. Ouais, donc quand vous pouvez pas acheter d'objets, il faut enlever les objets devant. Voilà, comme ceci. Et là, vous allez pouvoir en acheter. Donc là, ça me donne 5000. Donc ouais, les boules disco et les nanites, c'est ceux qui vous donnent le plus d'XP. Après, les autres vous donnent aussi des XP, hein, regardez. Ça me donne 300 XP, 367, 366, 364, 363, 362, 360, 359, 358, 357, 355, 354, 15 XP. Alors, il y a même des trucs ici. Franchement, il y a des trucs partout. Hein. Aussi, quand vous allez ramasser, par exemple, cette pièce, je vais la ramasser. Et là, je vais gagner des XP. Même en ramassant des pièces, vous gagnez des XP. Là, le bleuvage m'a donné 69 XP. Alors, il faut savoir que les 69 XP que j'ai gagné là, c'est possible que d'autres joueurs en gagnent genre 1000, 10 000, 500, 10, 20. Ça dépend, en fait. N'importe quel compte. Enfin, tous les comptes n'ont pas le même nombre d'XP qu'ils gagnent. Chaque compte est différent, on ne sait pas trop pourquoi, mais à chaque fois les comptes sont totalement différents. Donc si vous avez de la chance, vous allez gagner blindé, genre vous allez gagner 100 000 XP en achetant un appartement. Et si vous n'avez pas trop de chance, bah, vous allez gagner genre 300 XP en achetant un appartement, ou 600, ou je ne sais pas combien. Mais voilà, ça dépend les comptes, c'est totalement aléatoire. Alors ici, je vais juste vous montrer un truc supplémentaire. Ici, il vous faut une carte de chat. Alors la carte de chat, vous allez pouvoir la trouver un peu plus loin. Donc en fait, elle est juste ici en bas de l'horloge. Elle est juste ici, regardez. Vous allez là, vous faites une petite danse. Pourquoi ça ne veut pas me la donner? Ok, voilà. Vous faites une danse, mais il faut bien que, vous voyez, que votre personnage... Et en fait, vous avancez vers la caisse, et dès que votre personnage est bleu, là, vous faites la danse. Ensuite, ça va... En fait, c'est une petite indication, un petit easter egg, en fait. Ensuite, vous prenez la carte, vous allez ouvrir le truc de chat là, donc le coffre. Et ensuite, ça va vous donner des XP, bien évidemment. Ça ne va pas donner des XP, d'habitude ça m'en donne. Donc ici, il vous faut un lama. Et à chaque fois que vous allez donner des lamas, vous allez gagner 2000 XP, je crois, voire même plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un lama, je vais vous montrer où ça se trouve. Normalement, c'est juste ici à gauche. Un distributeur de lama, si je me trompe pas. On va prendre un petit grappin aussi. Hop. Distributeur de lama, il n'est pas ici. Peut-être que je me suis trompé. Hein. Je sais plus trop où il est. Donc je vais un peu fouiller. De toute façon, en même temps, je vais vous présenter un peu tout. Donc il reste encore 2-3 zones que je vous ai pas montrées. Alors ici, il n'y a plus rien. Alors peut-être en haut là. Pizza Pit, il y a du maïs, on peut acheter aussi, qui donne 69 d'XP, bouclier qui donne 69 d'XP, ici en hauteur, il n'y a rien, ici, il y a quoi là? Il n'y a rien du tout, là,
Bah on peut donner des boules de neige pour gagner des XP. Alors ensuite, en haut, il y a quoi? Non, hop, je vais y arriver, voilà. Ici en haut, ah bah voilà, ils sont là les lamas. Là, il y a un buisson qui donne 350 d'XP. Ici, il y a des lamas qui donnent 350 d'XP. Donc là, vous en achetez plein, hein, des lamas, s'il faut. On peut en avoir qu'un par un. On peut en avoir qu'un par un, donc ça craint. Mais ce que vous pouvez faire, regardez, c'est apporter le lama là-bas. Donc c'est ce que je vais aller faire. Et ça va me donner des XP. Alors, je sais pas exactement ça va me donner combien, mais on va voir. Ça me donne 4500 d'XP. Vous ramassez la pièce, vous prenez des XP supplémentaires. Non, non, on prend pas d'XP supplémentaires. Voilà, vous gagnez 4000 XP. Vous voyez, c'est super, super rentable en fait. C'est super rapide. Ici, vous avez encore d'autres machines. On va voir combien ça donne. 65. 65. Ici, il y a des poissons. 379, 377, 376, 375, 374, 372, 371, 64, 64, 63, 63, 63, 63, 63. Ok. Il est où mon grappin? Je l'ai encore paumé. Il est là, parfait. Ah ben j'ai plus qu'une charge. Donc là, les appartements, je vous ai montré. Là aussi, il y a des choses que vous allez pouvoir faire. Là-bas. Mais là, il faut donner des poissons. Mais ça, c'est dans un glitch précédent que je vous ai déjà montré. Allez, là, il faut donner des poissons. Là, si vous accédez à Midas Temple, ben, je vais vous le montrer à la fin, ça. Je vais vous montrer à la fin. Ici, regardez, il y a un petit passage secret où vous allez pouvoir récupérer des pièces pour gagner des XP. Voilà, ça donne 283. Ensuite, là, il y a les appartements. Où est-ce que je vais aller me diriger? Donc ici, ben, il y a un distributeur. Aussi, juste ici en bas. Qui vous donne des XP aussi. On doit rentrer par la porte. Ok, on prend la pièce. Hop. Le bleuvage. Bien entendu, chaque distributeur, vous pouvez rester devant et spammer carré, 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 carré pour gagner blindé d'XP. Hein. Mais là, je vous présente vraiment toute la map, en fait. Tout ce que vous pouvez faire sur la map. Tout ce que vous pouvez acheter. Si regardez, il y a des appartements. 6500 d'XP. Appartement encore là. 6200. 5900. Ensuite, là, il y a des pièces. Ok. Voilà pour cet immeuble. Donc là, on va ressortir. Et à droite, je pense que c'est le dernier truc que je dois vous montrer. Ouais, c'est le dernier truc à droite. C'est un igloo, enfin, un truc de glace, quoi. Et là aussi, vous allez pouvoir acheter des bleuvages, ici, qui vous donnent des XP, 54. Et là-bas, il y a encore d'autres distributeurs qui vont vous donner des XP. Donc là, 54 aussi encore. La pièce m'a donné 41 XP. Là, vous montez. Hop. Et là, vous avez des petits trucs de neige qui donnent 54. Celui-là, il a donné 277. Et celui-là, il donne 1352. Donc, vous pouvez spam comme ça. Hein. Spam 1352, etc. Vous pouvez faire ça en illimité. Alors, moi, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer le temple de Midas. Parce que sinon, je pense que je vous ai tout montré de la map. Voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour. Là, je vais vous montrer le temple de Midas qui est juste là-haut. Ah oui, quand vous achetez une propriété, vous pouvez rentrer dans la propriété aussi. Hein. Voilà, mais je pense qu'il n'y a rien de spécial dans les propriétés. Je vais aller chercher un grappin pour me dépêcher un peu plus vite. Pour me déplacer un peu plus vite. S'il vous plaît, merci. Hop. Voilà. Alors, dans ce bâtiment-là, j'ai pas été voir à l'étage, donc je vais vite aller voir s'il y a quelque chose. Une gold de route. Ok, donc si vous... En fait, vous pouvez monter la route jusqu'à Midas. Ou alors, vous allez tout simplement dans le bâtiment de Midas et vous payez 150 lingots d'or. Et vous vous retrouvez directement en haut. Alors, en haut, il n'y a rien de spécial, je crois. Si vous donnez des poissons là, ça va sûrement vous donner blindé de thunes. Blindé d'XP. J'ai pas fait le test.
Par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur le chemin, il y a des petits easter eggs, enfin des petites cachettes. Si vous le montez à pied, il y a des petites cachettes comme ceci. Et vous allez pouvoir récupérer des pièces qui vous donnent aussi des XP. Mais bon, voilà, c'est pas vraiment optimal. Là, je vous ai vraiment présenté la map parce que c'est une map assez quand même bien faite. Et chaque chose que vous allez faire, vous allez pouvoir gagner beaucoup d'XP. Donc, je voulais présenter comme ça vraiment pour vous la présenter, quoi. Mais moi, ce que je vous conseille, la chose que je vous conseille le plus, c'est d'aller là où il y a les boules de neige. Non, les boules disco, excusez-moi. Donc, si je me trompe pas, c'est par ici. Et vous allez tout le temps... Ou alors, vous achetez les cubes ici. Les cubes, ça vous donne 4000. Ou alors, vous allez près des boules disco, qui eux aussi, normalement, vous donnent 4000. Voilà, 4000. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez spammer. Vous allez bien, vous collez bien la machine, comme ça. Regardez bien en haut. Voilà. Vous savez ce que vous faites aussi? Vous prenez que des boules disco sur vous. Évidemment, j'en ai lancé une. Comme un blédard. Hop. Hop. On va acheter une boule disco. Et on va acheter une boule disco. Et comme ça... Pourquoi ça n'enlève pas... Ah, voilà. Et comme ça, quand vous allez spam, bah, ça ne spammera que des achats. Et vous n'allez pas être bloqué. Parce que parfois, il y a des gens qui me disent... Ouais, mais... ça bloque, je peux plus acheter. Ah ben effectivement, ça bloque quand même. Alors si ça bloque, ben voilà, c'est la merde ça. Alors, si ça bloque, en fait si ça bloque, vous êtes obligé de faire ça quoi. Reculer les objets et puis ensuite les racheter. Parce qu'en fait il y a trop d'objets devant apparemment. Je sais pas pourquoi. Si je me mets sur le côté comme ça. On va essayer, hein, je me mets sur le côté. 2000, 2000. Bah non, à chaque fois ça bloque. On va essayer avec il est où mon grappin? Il est là. Avec les cubes. Avec les cubes de nanite pour voir ce que ça fait. Bon, j'achète le grappin. Enfin, je reprends le grappin et il a qu'une une charge. C'est pas cool ça. Hop, on va voir si je peux acheter en illimité. Là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Pour l'instant, ça fonctionne. 2000, 2000, 2000. Et voilà, ben là, ça rebloque. Je sais pas comment ça se fait que ça fait ça. Ah, ah. J'ai l'impression que ça bloque plus. Ah, ben si, ça rebloque. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer avec les... attends, je vais reprendre mon grappin, là. On va essayer avec les bonhommes de neige que je vous ai montré tout à l'heure. Peut-être qu'eux, ils ne bloquent pas. Mais sinon, voilà, si ça bloque, vous n'aurez pas le choix d'enlever tout ce qu'il y a devant le distributeur pour pouvoir continuer à acheter en illimité. Après, si vous avez une solution dans l'espace, n'hésitez pas à le dire dans l'espace des commentaires, hein, si vous avez une petite solution pour contrer ça. Donc là, regardez, hop. Est-ce que je peux acheter ça en illimité? Ça n'a pas l'air de bloquer, hein. Je pense que les bonhommes de neige ne bloquent pas. Donc au pire des cas, si vous voulez juste spammer X en illimité, spammer carré en illimité et pas vous prendre la tête, vous allez près des bonhommes de neige et ça va vous donner des XP en illimité. Alors bien entendu, vous avez sûrement pu remarquer que les XP baissent au fur et à mesure que vous faites le glitch. C'est totalement normal. Après, c'est possible que ça augmente à un certain moment, mais principalement ce glitch, je pense que ça va vous faire gagner de moins en moins d'XP. Après, peut-être ça va vous en faire gagner plus, je ne sais pas. Et pour ceux qui ont un script, bah mettez un script, un rapid fire sur carré, comme ça, ça achète des bonhommes de neige en illimité. Donc là, je pense que ça fonctionne. Le mieux, c'est de le faire avec les bonhommes de neige, parce que les autres, bah, ça bug un peu. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swacool Mec, et ciao. Peace. Make bruh.